En outre, heureusement Jean, et par la suite, nous avons tourné pour réaction. Heureusement Jean, l'appareil. Création de résistance pour une Haïti stable et démocratique. Donc, on te dit, dans la dernière conférence, nous avons gagné pour nous capables non seulement analyser la question du gouvernement de Gary Konyan, mais tout prononcer nous sur le gouvernement. Et c'est ça que nous venons faire là matin. Pour nous capables de connaître qui position nous et qui route nous prend dans les jours à venir par rapport au gouvernement oisif qui est installé dans notre pays. D'abord, qui t'aime dire nous te prenons temps. Nous prenons temps qu'il faut. Nous prenons temps nécessaire avant de nous prononcer. Premièrement, ça n'a pas dénoncé. N'a pas dénoncé l'inélégance de Dr. Gary Konyan. Deuxièmement, n'a pas dénoncé comportement de M. Konyan par rapport à l'assassinat de Jovenel Moïse. Troisièmement, nous dit gouvernement ça qui vient là, c'est un gouvernement qui vient pour pénaliser, pour faire toute action que nous ne pouvons pas imaginer pour Jovenel Moïse par une justice. Pour qui ça? Parce que M. Gary Konyan montre nous à clair les paillons hommes d'État. Nous tendons un paquet de oisifs politiques, des pacotis politiques, des mendiants politiques qui traitent être passés pour militants, des petits mercenaires politiques, tant qu'on est cap marché dit pas aimer, pas aimer, tant qu'on est ingénieur Lugondé dans Pétionville, qui prend l'argent trésor public injecté dans main pour marcher dans une série de balles pour dire Gary Konyan, pour dire Gary Konyan c'est si Gary Konyan c'est là. Moi-même, je prends le temps qu'il faut parce que je ne suis pas militant qui prend un goût, qui cherche à manger. Je suis militant qui garde les faits, qui analyse les faits et qui prononce au moment opportun. D'abord, premier ministre Gary Konyan montre qu'il n'est pas élégant. Comment? Ou pas qu'il dit dim ou son homme d'État. D'abord, il fait preuve tout, il n'est pas un homme d'État. Oui, ils sont intellectuels. Oui, ils sont professionnels de médecin. Mais il n'est pas une dimension d'homme d'État. Il n'y a pas de dimension père de famille. Il n'y a pas de dimension, tant que je vais prendre comme exemple, malgré des accords Jovenel Moïse te gagné avec Jean-Bertrand Aristide, il apprend Jean-Bertrand Aristide en difficulté, Jean-Bertrand Aristide besoin de passeport humanitaire pour l'alcaïde docteur, automatiquement, Jovenel Moïse comme homme d'État, il mettait une différence ou bien un désaccord avec Aristide là, de côté, il dit qu'il faut me sauver le président. Son président, soit ses présidents. Comment nous-mêmes la presse, qui l'a, comme moun intelligent, comme moun savé, comme moun qui est capable d'analyser fait, ou bon on est capable d'une premier ministre? Hein? N'a débarqué en Haïti. Monsieur, un président assassiné, Gary Konyan pas jamais fait sortir une note de sympathie alors qu'on ancien premier ministre. On est qui ancien premier ministre? L'étendue, dans quelles conditions il a assassiné le président dans la chambre la Kaili, il n'a pas fait une note de sympathie à la famille, à pays. Ça, c'est une. Mais pour nous, ça n'est pas grave parce que il te dit, dans diverses rencontres qu'il fait aux États-Unis, il dit qu'il n'a jamais rentré. A fait l'État, il sait, on compatriote te poser une question en ce sens. PM, si vous avez l'eau, comme je dis au premier ministre, si vous avez l'eau en Haïti, pour ta vin bay l'État, ils sont coupés, mais encore. Peu pas, ils sont amendés pour bay bien coupés. Ils doivent me répondre sans équivoque. Je ne suis jamais là pour l'État, je ne suis jamais servi l'État. Je ne suis jamais travaillé dans l'État. L'État, il n'a pas besoin de jamais côté sur moi. C'est slogan, c'est discours. Mais l'on vient de vivre comme premier ministre. Au moins, fais une preuve. Même l'hypocrisie. Même laisser ta bordou. Même laisser ta nan moun qui te fait partie bordou. Qui t'a planifié l'assassinat de Jovenel Moïse, souvine la pas élégance, pour t'a montré pays à qu'on soit homme d'État. D'abord, nous tous t'a constaté, premier ministre,
il vient mettre en confiance les assassins de Jovenel Moïse. Parce que le Premier ministre, ni dans l'introduction, pour dire que c'est le Premier ministre pays, il fait discours, il ne pas parler de Jovenel Moïse comme un président assassiné. Il installé, il fait discours d'installation qui gagne, ça veut dire, quatre programmes, ni, dans quatre programmes Premier ministre, et ça veut dire, dans quatre programmes, et nous souhaitons, nous voulons que tout le monde connaisse que nous-mêmes, en tant que Premier ministre qui vient là, nous avons fait ça capable pour renforcer la justice parce que nous souhaitons, nous voulons à ce que lumière faite sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Le Premier ministre a fait tout ça, le fait net. C'est comme si le pays n'a pas de bon président, il a assassiné. Alors que la base fondamentale dans la crise qu'il a, il vient amplifier par rapport à l'assassinat de Jovenel Moïse. Avant l'assassinat de Jovenel Moïse, nous avons passé Matisse, pas vrai? Avant l'assassinat de Jovenel Moïse, nous avons passé Canara, pas vrai? Avant l'assassinat de Jovenel Moïse, pas de cafoufé. Avant l'assassinat de Jovenel Moïse, le pays a pas réduit en chaos total. C'est la provocation, c'est l'absence totale de Jovenel Moïse, vu sur le programme l'État, pas de l'État. Eh bien, je dis à nous que ça comme résultat. Mais nous voulons comprendre pour qui ça. Nous voulons dire nous pour qui ça, comportement. Docteur Gary Conny. Docteur Gary Conny, c'est un personnage que nous apprécions parce que nous supportons la bataille de diaspora. Nous voyons comment pour une diaspora ta vine là non poste et puis pour nous-mêmes nous avons dit nous calonier, nous combattre la diaspora. Non, loin de ça. Un, ça nous voulait pays à retenir pour nous dans la question de Gary Conny. Un, Gary Conny n'a pas gagné qui est attaché la pays. De Dr. Gary Conny, qui est mon appréloge là, il n'est pas là comme le premier ministre haïtien, mais c'est un gouverneur. Mais ce qui est plus grave là, c'est qui est-ce qui bosse Gary Conny. N'est qui bosse Gary Conny, il y a le Clinton, Clinton, Bill Clinton, Kleb là. D'ailleurs, là pour présenter Gary Conny, où est madame ça qui est là, Clinton, non, mais Gary Conny dans le temps qu'on s'y et puis il est devant lui présenter. Petit ou bien esclave lia. Monsieur Gary Conny, t'es administrateur d'un projet qui te relève, c'est RH. Projet ça, qui est-ce qui t'a téléguidé, qui t'a mené, c'était Clinton. Or, Clinton mettait avec l'équipe, il a détourné près de 11 milliards de gouttes de dollars. L'argent, c'est RH. Ça, vous venez faire là, vous venez mettre Clinton, vous venez mettre le docteur Conny pour capable effacer parce que trace, parce que grand pile monde qui a demandé pour une enquête qui menait sous question 11 milliards de dollars. Ça. Mais ce n'est pas le problème, là, toujours. Le problème, nous allons montrer, nous, c'est haine docteur Gary Conny exprimé à l'encontre de Jovenel Moïse malgré l'assassinat, malgré sa mort, malgré le fait que le docteur a témoigné. Hein, il dit s'il part dans la mort, mais il te connaît. Vous comprenez ça? Président Jovenel Moïse, sous trois feuilles papier, Jocelyn Privé, Baye, équipe Clinton, non, Douane, APN, EPOT, nous ensemble de côté pour te ramasser l'argent. Comme ça, tu as totalisé le montant de 5 milliards 800 millions de dollars américains. Jocelyn Privé, te baye, Bob Clinton, non. Jovenel Moïse monte comme président de la République, il coupe, au droit. Il dit n'est pas normal, il n'est pas sérieux pour l'équipe Bob Clinton, ça, aux États-Unis, qui a accès pour ramasser dans le pays 5 milliards 800 millions de dollars. Jovenel Coupel. Et depuis le Jovenel Coupel, Bob Clinton, qui est dans Biden, mette fait mise en place, il faut qu'il assassine Jovenel Moïse et de fait qu'il assassine Jovenel Moïse. Comme je dis, c'est Bob Clinton qui choisit Gary Conny pour mettre le Premier ministre. Et bien, docteur Conny montré, hen salgue comme Jovenel Moïse, et c'est pour ça, il n'a pas dit dans le discours, il n'a pas baillé tête dans la mission, dans la loi 4, dans la mission, dans le programme gouvernement, il voulait faire tout le monde qui a bataille pour Jovenel Moïse, peut, pour ne pas parler de l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous-mêmes nous disons, 3 ans qu'il a dit là, c'est 3 ans, commémoration assassinat de Jovenel Moïse, et nous continuons à gommer, et nous lançons un vibrant appel à toute organisation, tout le monde. Qui est habitué à participer dans la commémoration, pour nous rassembler, pour nous dire, docteur Gary Conny,
que Jovenel Moïse pas yon wassif. Deuxième bagaille pour finir, ou ta oué premier ministre, sou di wap chercher solution, wap combattre corruption, ou vini pour combattre la corruption. Pourtant, conseil créé qui est 7 moun nan, gen 4 moun nan qui est équipé par la justice haïtienne, hein? 4 moun qui est équipé par la justice haïtienne, nous bay document toute preuve, malgré ça, yo cohabite ensemble. Ça veut dire qu'il n'y a pas de goumè contre la corruption. Dernier point, c'est pour nous dire, demander à la police nationale. Dans le programme, dans le plan d'opération qu'elle gagne, il faut reviser le plan d'opération. Pourquoi on dit ça? Nous ne sommes pas d'accord pour la police, il y a deux mouns, l'armée, il y a deux mouns qui demandent l'État, moyen, un, pour être capable de faire participer dans l'opération contre l'insécurité, contre bandits. Nèg yo plutôt prêter cap marcher craser caille. Voilà tout pays ça moun ça ou té nan caille ça. C'est couille pour bandio. Bandio met au dehors de force. Pour tenir y'a tenu l'état. Kounya qui pour venir remettre en confiance qui pour permettre de tourner la caille et puis constater caille pas pour bandio. Caille craser pas pour bandio. Caille craser c'est des mères de famille, des pères de famille que l'état té armé un groupe gang ensemble de voyous qui prend toute zone ça en otage, yo mettez moun yo dehors. Aujourd'hui, si l'État finit avec un plan, il faut que l'État calcule l'autre moyen. Parce que l'armée qui a fait filature, l'armée prend formation pour faire filature, pour faire pénétration. Vous comprenez la police qui a fait encerclement dans le plan. La police, là, pour faire encerclement, parce qu'elle ne doit pas avoir de capacité pour mener ça ou les batailles guerrières urbaines. Mais est-ce que ça t'a dit chaque côté de la police pour débarquer, il est obligé de casser tout le caille sans nous pas contre côté. Il pourra le reloger Mounsayo. Sans pas un plan de construction maison, de projet logement social, nous pensons, nous-mêmes matin, nous devons faire un dénoncer comportement Dr. Gary Kony qui vient pénaliser, qui vient renforcer l'ensemble criminel Jovenel Moïse. Parce que c'est tout le monde qui était soi-disant avec Jovenel Moïse qui a fait alliance avant Dieu, et puis qui a fermé l'État pour Jovenel Moïse. Deuxièmement, c'est le mode opératoire que la police a mené. Hein? Oui, il faut que nous bataillons contre Bandio. Il y a des gens qui l'ont cagoumé contre Bandio. Mettez moyen, mettez cob. 14 000 $ et après bail gagner. Même le pas bail policier l'armée, 14 000 $. Mais bayon prix, bayon salaire raisonnable qui permet de confiance de travailler sur le plan pour établir la paix. Et deuxième point, dernier point, hein? C'est tout militant, tout le monde qui a mobilisé pour permettre commémoration 7 juillet. À réel, eh bien, on nous tout mettre main, yon façon pour nous dire, non seulement Gary Kony, conseil créé là, et l'équipe Clinton qui met ensemble, qui tue Jovenel, pour nous faire reconnaître que nous ne pouvons pas faire bas. Merci. Vous parlez de 4 personnes qui sont inculpées dans le conseil présidentiel là, qui n'ont pas le pouvoir Gary Kony. Qui 4 personnes qui sont inculpées? Nous avons 4 personnes qui sont inculpées. Qui ont une grave. Ce n'est pas une simple inculpation, ce n'est pas un simple délit, mais qui ont une inculpation très grave. Pendu sous tête yo, et qui devant juge d'instruction parce que nous dit l'ordre devant juge d'instruction pas vous coupable mais faut mettre à la disposition de la justice pour la justice capable tendre ou gagner fruit de Jean il a poursuivi lui pour vol détournement de fonds publics et association de malfaiteurs nous gagne Gérald Gilles docteur Gérald Gilles association de malfaiteurs. Nous avons monsieur Nestlé Voltaire. Lui-même, blanchiment, drogue, c'est ça qu'il a retenu pour lui dans le cadre d'inculpation, dans le cadre de poursuite pénale qui enclenchait contre nous au cabinet de destruction. Quatrièmement, et nous connaissons monsieur Radio ou du moins Edem qui voyait dans le conseil créé là, il est inculpé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Ok? Ça veut dire, voilà que. Conseil là, il y a 7 personnes qui sont capables de décider. Dans 7 personnes qui sont capables de décider, il y a 4 personnes qui sont devant la justice pour gros et qu'ils passent grave. Et puis, je dis à Gary Kony, parle nous. Non, ça veut dire, ça que là, gouvernement, peuple, pour promouvoir. Gouvernement qui là, c'est un gouvernement pas côté, un gouvernement oisif. D'ailleurs, il y a plein de monde qui passent, qui n'ont aucune notoriété politique. Oui, ils sont capables intellectuels. Oui, ils sont capables de ceci. Mais en ce qui a trait à notoriété, comment nous comprendre? Trois canèques qui fait partie conseil
gouvernement. C'est un paquet de nègres qui ont sanctionné et puis pour y a parti politique, ils n'ont pas là même physiquement, mais tous ces partis politiques qui voient les gens qui montent au gouvernement. C'est même messieurs qui ont sanctionné, oui, qui montent au gouvernement gaïkonien. Ok? Avait dit, je dis à nous-mêmes, il faut payer à connaître. Pas gagner qui a sorti dans la montagne. Son fourmi, il va la coucher, si maman fourmi n'a pas un mal. Son montagne qui va la coucher, il y a un fourmi. Mais ces six montagnes-là, pas au mal. Pas gagné concret, pas gagné sérieux. Et pour le gouvernement vient là, il pas nous mettre ça le bras le faire pour le permettre. Il reprend ensemble des projets. Jovenel Moïse Tapéo, dans question route, question asphalte, question environnement, question de l'eau, question environnement. Ouais. Il pas embrasser le dossier ça. Ça veut dire que c'est deux mouns seulement vient là pour faire l'argent. Il a fait l'argent. Nous pouvons le goûter contre toi après 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous pouvez voler, gagner, même gens, et puis vous pouvez remettre l'autre groupe encore pour continuer à faire l'argent. Je pense que je dis, mais ces dames, la presse parle qui la presse écrit, les médias en ligne qui la, les temps, je dis, nous-mêmes, tout pour nous faire tête, nous passer des actes, pour nous questionner ensemble. Effectivement, c'était Rosemont Jean de Four Note Haïti qui tapait faire intervention ça. Et dans la conférence de presse, alors, qui fait intervention dans la conférence de presse, c'est que le tabac, sous dossier qui vient pour avec nomination, ou du moins installation, ou bien nouveau premier ministre qui nous gagne, qui c'est Dr. Gary Conny. Heureusement, j'en ai une position parle, et selon je comprends Dr. Gary Conny, mais même tout, ça qui est intéressant pour me dire non, c'est que je me fais remarquer là, beaucoup de gens, moi, côté que Dr. Gary Conny, j'aime répéter dans un discours qu'il a fait, dossier assassinat président Jovenel Moïse. Pour arriver là comme dirigeant, seul moyen pour ta vivre en paix, seul moyen pour ne pas avoir de pièces d'inquiétude, sauf si les assassins de Jovenel Moïse ou ta entendu ensemble avec eux. Seul moyen pour ne pas vivre là qui est sauté. Mais comme bagaille peut tout pour nous connaître, est-ce que si beaucoup établi, si beaucoup fini contre la terre, est-ce qu'il m'oblige à parler du dossier assassinat Jovenel Moïse? Peut-être tout, il a condamné Zel 4. N'a pas mission, une possibilité toujours. Pour monsieur fin établir pour le contrôle la terre, pour monsieur déplacer pion pour le filmer pion la terre, et puis après n'a va connait vrai visage Gary Conny. Comme ça tout nous doit prendre plus gros coup, mais pas oublier Jo fait la tomber dans de l'eau, c'est pas j'aime juste ça pourri ou mettre bête ou mettre batchien mais t'en mettre lui comme dit dans celle là l'a regarder et l'a prendre note bataille pas camper. Voilà, c'était Rosemont Jean de Fonod Haïti qui était bail conférence de presse ça. Et m'a dit donc que n'a pas beaucoup de pattes naturellement dans dossier qui est pour avec intervention que PM n'en fait sous dossier et la police nationale d'Haïti qui doué en condition 2. Alors et bah oui, ministre là, c'est ministre défense là qui dit que il fait appel avec force armée d'Haïti pour que l'armée de mette en condition 2 pour l'armée capable de déployer. Il est pas oublié hier, nous gagnons environ 450 policiers qui graduent dans plusieurs unités qui pral, alors qui pral intégrer plusieurs unités dans la police nationale d'Haïti. Et la police ça yo hier ça fait gagner un pile monde qui fait intervention le moment ça, gagner un pile monde qui fait intervention. Mais gagner chef police et qui c'est chef de gang et membre fondateur Phantom Section 9 groupe terroriste là et DGAI la police gang criminel assassin Kenel Kassi avec juste l'aime privé maintenant la police là qui relie France LB et ben t'es prend la parole il te fait déclaration en dedans d'elle et il s'est déplacé en pile pion parce que il s'est pourri la police avec gang pour que Nomil Ramota va venir jouer en pile pion quand qu'on a en entend de savoir ça t'a dit ça gang ça t'a dit ça j'ai invité l'homme t'a dit dans tête et dans moment il t'a gradué policier qui pourrait intégrer plusieurs unités dans la police là. France LB et directeur gang dans la police nationale d'Haïti et soldat Phantom Section 9 ou bien membre fondateur président groupe terroriste qui dirait le Phantom Section 9 et qui rivait assassiner président Jovenel Moïse là. On t'a dévolé ça. Et on va le temps de voler sur l'écran. Voilà, il est là. On va le temps de son. Hein? Seulement pour ces nouveaux agents, mais aussi pour l'avenir de notre pays en matière de sécurité et de justice. Votre présence ici témoigne encore une fois de votre engagement inébranlable et indéfectible au développement de cette institution républicaine stratégique de notre système de sécurité publique, voire national. En ces moments difficiles
que vit notre pays, notre cher Haïti. Le rôle et la responsabilité de la police nationale d'Haïti en tant que gardien de la paix et de la stabilité sociale n'ont jamais été autant mis à l'épreuve. C'est l'occasion pour moi de saluer le courage, le sens du devoir et du sacrifice de nos vaillants policiers et policières qui, aux côtés des membres du haut commandement, pendant plus de 2 mois et en dépit des limites en termes de ressources humaines, matérielles, financières, sont restés debout pour défendre du jour comme de nuit nos concitoyens et tous ceux qui résident notre territoire ainsi que leurs biens contre les assauts criminels répétés des gangs armés. Certains de ces héros ont payé leur prix, ont payé leur vie de ce climat de paix fragile que nous jouissons aujourd'hui. Ainsi, pour honorer. Écoute, il vole ça. Bam retire sur écran, attendez. Bam bay et PM et docteur Gary Koni parler parce que attendez monsieur, c'est que plein. Attendez monsieur, c'est déception. Attendez PM Gary Koni parce que mon fixation sur docteur Koni et n'a suivi monsieur de près au comment ça met du là. C'est pour moi son haïtien qui t'a vivre dans la diaspora. Nous même vu que n'a fait promotion pour que la diaspora haïtienne intégrer la politique en Haïti. Ça veut dire que quelque part Gary Koni et peut-être me considérer monsieur comme un véritable figure de la diaspora, bien que gagne en façon que monsieur rentré, qui en pile monde questionné rentré ça. Mais naturellement m'a dit donc que peut-être Jean commandant Philippe dit là, monsieur doit rentrer par la petite porte et monsieur sorti par une grande porte là. OK, ça veut dire que faut que nous peut-être bali bénéfice du doute jusqu'à maintenant parce que monsieur c'est petit temps et docteur Koni, monsieur c'est un haïtien, monsieur c'est Gary Koni et me pense que monsieur fait Port-au-Prince, me pense que monsieur peut-être gagne 100 et haïtien nan 20 ni sans pas avoir des salines nan et que monsieur capable font bagaille définitivement pour pays ça. Monsieur que monsieur capable organiser. Docteur Koni à l'appareil. C'est un gros jour pour nous. Un jour côté la lever tête nous pour nous garder soleil. Un jour côté n'a commencé garder l'avenir en l'autre gens. Si mon commencé discours comme ça, c'est parce que là où est 455 jeunes femmes, jeunes garçons, prend chemin pour yo servir pays. Surtout dans moment difficile ça. Nous devons non seulement battre un gros bravo, mais tout prend ça comme message l'espoir que pays a pas péri. Que pays a gen moun la dan qui choisit une vocation pour aider à servir l'autre moun qui se compatriote yo. Ndaye men nou bat un gros bravo pour promotion ça. Ça m'apprend dimanche tout, c'est que 455 messieurs et dames sa yo pa pou kont yo. Chaque la dan yo, bon soeur, ou maman, ou frère, ou petite, qui pourra vivre même stress ça avec yo, qui pourra aller en bataille avec yo, qui pourra perdre du sommeil avec yo, qui pourra retenir yo, qui par contre s'y apporter demain matin. Nous d'ailleurs nous battons gros bravo pour famille Mounsa, madame yo, petite yo, pour nous connaître que nous avec yo et que nous apprécier sacrifice yo. Policiers et policières de cette nouvelle promotion, vous devez savoir que vous allez mettre chaque jour votre vie en jeu pour protéger les libertés et les droits de nos citoyens. Votre sacrifice est le fondement de notre société. Et pour cela, nous vous demandons une gratitude et notre respect les plus profonds. La voie que vous avez choisie n'est pas facile, mais elle est noble et essentielle à la survie et à la prospérité de notre nation. Votre engagement est d'autant plus noble que vous n'avez pas cédé à toutes sortes de sirènes venant d'ici et d'ailleurs. Mais vous avez choisi la conviction. Cette conviction qui vous habite et qui entretient cette flamme patriotique qui ne s'éteindra jamais. Les graves problèmes de sécurité auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui soulignent l'importance cruciale de votre rôle. L'augmentation de l'activité criminelle et la menace omniprésente de la violence des gangs ont souligné la nécessité de disposer d'une force de police solide et efficace.
Votre formation et votre préparation sont essentielles pour établir la paix et la stabilité dans nos communautés. Mes chers invités, au cours des dernières années, notre peuple a beaucoup souffert de l'insécurité. Plusieurs centaines de milliers de familles, de femmes, d'hommes, d'enfants ont quitté leur maison. Plus de 2/3 des infrastructures sanitaires sont fermées. Le petit commerce est bouleversé. Et la nation se meurt à petit feu. Le moment est venu pour nous de revoir notre approche à la sécurité, de reconsidérer notre stratégie pour qu'elle soit globale et immédiate. Elle doit impliquer l'intégration de toutes les forces de sécurité, la mise en place de centres de coordination opérationnels et le déploiement de technologies de pointe pour la surveillance et la collecte des renseignements. Nous nous engageons à faire en sorte que vous disposez des outils, de la formation et du soutien nécessaires pour l'accomplissement de votre tâche. Nous établissons également des partenariats solides avec des alliés internationaux afin de renforcer nos capacités et nos ressources. La formation continue et la spécialisation seront toujours, toujours d'actualité. La relation entre la police et la communauté doit être fondée sur le respect et la confiance mutuelle. Le soutien de la communauté est indispensable. Nous devons tous condamner tout acte de violence à l'encontre de nos policiers. Le meurtre d'un policier est une attaque contre chacun d'entre nous et doit susciter notre indignation collective. Les criminels doivent être isolés et traités comme des parias de la société. Par ma présence ici, j'appelle chaque citoyen haïtien à s'unir derrière nos forces de police. Nous reconnaissons les défis et les lacunes, mais nous sommes déterminés à y remédier. L'heure n'est pas aux reproches, mais à l'action, à la reconstruction et au renforcement de nos institutions policières pour qu'elles puissent remplir effectivement sa mission. La remise des diplômes à ces 455 agents représente une étape cruciale dans notre renforcement institutionnel. Mon gouvernement est résolu dans sa mission à rétablir la sécurité. Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Je comprends parfaitement l'ampleur de la tâche. Je comprends aussi l'urgence. Et je peux déjà vous dire qu'on s'y est déjà mis. Officiers et agents de tout grade, malgré l'adversité à laquelle nous sommes confrontés, l'État est très fier de vos efforts, en première ligne pour défendre la liberté du peuple haïtien. La nation vous regarde avec espoir et expectative. Ensemble, ensemble, nous allons reconquérir nos espaces publics et assurer la libre circulation des personnes et des biens. Aux 455 diplômés, j'adresse mes plus sincères félicitations et la gratitude de la République. Vous faites désormais partie d'un héritage de service et de sacrifice. Le pays compte sur vos capacités, sur votre bravoure et votre détermination pour améliorer notre sécurité nationale. La nation vous soutiendra. Je vous en donne ma parole. Votre professionnalisme et votre adhésion aux principes, à l'éthique des forces de police feront la différence. Faites en sorte que la loi soit votre étoile directrice, éclairant tout ce que vous faites. Respectez votre engagement et votre serment. Restez discipliné et restez concentré. Nous ne capitulerons pas. Ensemble, nous allons reconquérir nos villes, rétablir la sécurité, marginaliser la criminalité. Haïti doit revivre. Et l'honneur de tous ceux qui sont tombés pour défendre la République. C'est ça que j'attends de vous. Le gouvernement et le peuple haïtien placent leur confiance et leur espoir en vous. Que vive la police nationale.
Que vive la République et que vive Haïti. Moi, j'ai eu l'occasion de prendre la parole matin comme président du Conseil présidentiel transition dans la cérémonie pour remettre 455 nouveaux policiers certificat graduation comme agent PNH qui va rentrer dans l'unité et spécialiser la police là. C'est avec quel content m'a salué déploiement bataillon jeunes garçons et jeunes femmes Sayo qui sont prend bonne formation dans affaires combat gang pour libérer pays à de mauvais pichons Sayo qui fait population mal vivre et spécialement dans zone capitale là et quelques villes en province notamment dans zone Latibonite. Cérémonie ça gagne pour moi deux grosses significations. Tout d'abord, li traduit volonté nouveau gradué Sayo pour combattre jouk dans bout gang exam yo tout côté yo. C'est mission ça même. Conseil présidentiel transition en bay tête li. Déraciner insécurité dans pays a. Association malfaiteur Sayo qui pensait yo cap détruire nation pap 6. Yo pas gagné aucune chance. Y a joine bouchon yo. N'a tout profité applaudi chaque grain policier, femme ou garçon qui aide pays à bataille contre malfaite. Conseil présidentiel là, la tête collée avec gouvernement a metté toute unité spécialisée dans la police là dans conditions matérielles, psychologiques pour combattre gang yo, démanteler yo et puis permettre tout le monde dans tout quartier capable de circuler libre et libre dans tout pays. Ça veut dire l'État a pris bon genre disposition pour ça, ni dans le budget pali, ni dans le cadre de coopération avec pays étrangers qui décidaient d'accompagner Haïti dans un moment difficile à traverser depuis un bon bout de temps, et spécialement depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Cérémonie matin 18 juin, présenter tout, un signal clair dans la détermination du Conseil présidentiel transition pour créer conditions réelles qui pour permettre toute phase de l'organisation bonne qualité élection arriver dérouler comme ça doit. Réaliser élection libre, honnête, sans force côté dans finissement année 2025 là. C'est deuxième élément dans gros engagement. Conseil présidentiel transition en gagnant pour le respecter après rétablir sécurité dans tout pays. Réalisation bonne élection avec résultat qui est acceptable pour tous les participants, c'est garantie pour stabilité politique, économique et sociale établie net allez, et puis permettre institutions démocratiques fonctionner pour bien-être général toute population haïtienne. Mesdames, Messieurs, voyons jeunes policiers qui ont gradué matin. Nous engageons volontairement en connaissance gros risque qui gagne même sous la vie nous pour nous défendre le pays, lever escape figure, pour nous protéger et puis servir la population si tout l'elle sentit le danger. Bravo, bravo, félicitations pour nous. Moi veux dire nous, moi veux assurer nous-mêmes ensemble avec toute famille nous, amis nous, administration l'État qui l'a. Sous direction Premier ministre Kony à Conseil présidentiel transition accompagner nous dans toute opération nous pral mener pour déraciner gang exam yo. Nous pas jam pour compte nous. M'a répété nous pas jam pour compte nous. Nous-mêmes policiers ensemble ak nan la MEA nous gagnons même mission avec gouvernement ak Conseil transition. Fini avec brigandage et sécurité qui a détruit le pays. Rétablir l'ordre et la paix pour la population recommencer à vivre dans le cas posé, le cas content, tout partout sur la terre bénie pays d'Haïti. Administration Konin et Conseil présidentiel transition a mis ensemble, en pile, a mis accent, en pile, sous affaires intelligence et renseignement pour permettre nous bien réussir l'opération nous pral mener yo. Ak objectif zéro mort dans camp pa nous. La penche tout avec recommandement la police là
sous l'autre problème institution a gagné pour permettre à Jean Yo de plus confiance dans tête Yo, dans commandement Yo. Chaque policier doit sentir fier de travailler. L'année prochaine, dans l'occasion célébration 30e anniversaire création police là, c'est pour population rendre nous hommage, Jean nous mérite, à chanter, à cadeau, à fête, remerciement. Voyant agent PNH qui a gradué matin, pas jamais oublié, nous besoin appui population pour nous réussir dans toute opération nous pral mener yo. Mariage la police avec population, c'est garantir résultat sans dire peut-être. Toujours chercher confiance population, c'est ça qui a bon nous solution finale. Mesdames, messieurs, moi pas cap fini causer matin sans dire bravo. S'envoyer un coup de chapeau pour toute responsable formation 455 jeunes policiers qui recevoir certificat au matin. C'est là un service immense rendu à la nation. Je vous en remercie au nom des récipiendaires, au nom du peuple haïtien, au nom du Conseil présidentiel de transition et en mon nom propre. Je dis à nos récipiendaires bon travail, succès continue. Si vous êtes gang, caché, pas caché, la police a marché sur vous. Voilà, c'était Egadi Leblanc-Fils, Egadi Leblanc-Fils qui te prend la parole et qui te naturellement, bah, pour y son clair, sous dossier gang qui a attaqué la population. Et il y a un pile l'autre point pour nous débattre à ce moment-là, mais.